Alors que les trois enfants d'Alain Delon se déchirent, plusieurs personnalités ont pris position en faveur d'Anthony et Alain Fabien d'une part ou d'Anouchka de l'autre. Si est-il le cas d'Estelle Lefébure, qui a déjà vu un autre clan se déchirer de la sorte, celui des Hallyday. En 2019, Alain Delon déclarait avoir réglé sa succession afin d'éviter toute guerre au sein de son clan. On peut dire que si est-il raté. Depuis quelques jours, ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, se déchirent dans les médias. L'aîné et son petit frère reprochent à leur sœur d'avoir non seulement caché des informations capitales sur la santé de leur père, mais également de manipuler ce dernier pour parvenir à ses fins. Afin de prouver ses dires, l'ex-compagnon de Capucine Anna va dévoiler un audio, enregistré à l'insu de la maman de Lino, dans lequel elle se montre très insistante envers le guépard pour que celui-ci la défende face à ses frères. Pour répondre aux graves accusations dont elle fait l'objet, Anouchka Delon, dont la mère, Rosalie Van Brément, a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux, s'est rendue dans le 20h de TF1. Quand j'ai appris que cet article sortait dans Paris Match, la veille de sa sortie, j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari, et j'ai eu envie de me tuer. Je vous le dis parce que si est-il quelque chose qui m'empêche de dormir depuis trois jours. Je refuse qu'on me salisse comme ça, qu'on me traite de manipulatrice, de menteuse, ou de je ne sais quoi, a-t-elle notamment déclaré face à Anne-Claire Coudray. Ces stars qui soutiennent Anthony et Alain Fabien Delon à la lumière de cette nouvelle querelle familiale, impossible de ne pas penser au clan Hallyday. Quelques mois seulement après le décès du rocker, ses enfants aînés et son épouse Laetitia s'étaient déchirés devant les tribunaux, avant de finalement parvenir à un accord. Une ancienne membre de ce clan très fermé vient d'ailleurs de prendre position dans la guerre qui ronge les Delon, il s'agit d'Estelle Lefébure, l'ex-épouse de David Hallyday et mère de leur fille Ilona Emma. L'ancienne mannequin de 57 ans a fait part de son soutien à Anthony Delon dans les commentaires de sa publication relayant l'enregistrement audio de sa sœur. Courage à toi, mon cher ami, et à ton frère, a écrit celle qui a aussi été en couple avec l'animateur Arthur. Elle n'est pas la seule à les soutenir, puisque si est-il aussi le cas de Capucine Annave, l'ex-compagne du plus jeune frère. Quant à Anouchka Delon, aucune personnalité ne cesse pour le moment exprimée en sa faveur.